Toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mardi 12 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et aujourd'hui, la petite pensée positive pour être heureux tous les jours, n'est-ce pas? Gentillesse. Gentillesse. Notez comme une parole gentille et sincère réchauffe le cœur et réconforte longtemps. C'est tellement agréable d'avoir une parole gentille, d'avoir plein d'amour dans ces paroles de gentillesse et sincères. Ça réchauffe vraiment, vraiment le cœur, n'est-ce pas? Voilà, à méditer. Et aujourd'hui, j'ai pigé la patience. Ah, la patience. L'impatience est une distorsion qu'on peut travailler pour en faire une qualité, n'est-ce pas? Patience. Ma patience ouvre un espace de décélération salutaire pour tous. Tout comme les semences que nous répandons sur la terre et qui ont besoin de temps pour devenir de grandes et fortes plantes, les semences de notre développement personnel ont également aussi le droit d'exiger du temps pour parvenir à leur maturité. La fleur de vie viens à ton aide pour que tu puisses reconnaître que toute chose dans ta vie arrive à un moment juste et parfait. L'univers ne va pas te donner des choses si ce n'est pas le moment, n'est-ce pas? Tu as le droit de te détendre, de faire confiance au fait que les semences que tu as répandues sur ton chemin de développement ont terminé leur croissance et qu'elles sont devenues des plantes fortes qui pourront bientôt, être récoltées. Ta patience est ainsi confortée par l'apparition de cette carte. Elle s'étendra à nouveau à toute ta vie. Tu t'apercevras ainsi que les résultats approprié arrive toujours à un moment opportun de ta vie. Et la patience est maintenant ton point fort. C'est dans la sérénité que tu peux savourer l'attente de la récolte de la vie. Alors, sois à l'affût du processus du développement à l'intérieur de toi. Il arrive à proximité de sa splendeur accomplie. Le défi pour toi sera chaque fois que tu es en proie à la précipitation ou à l'impatience, la fleur de la patience vient à ton secours pour que tu parviennes à recouvrer ton calme intérieur. Et ainsi, elle met en évidence les résultats déplorables de la hâte et de la précipitation. Elle attire ton attention sur les fautes d'inattention. C'est-à-dire que si tu fais les choses dans la précipitation, ça ne portera pas ses fruits.
Donc, sois bien vigilant. C'est ainsi que les effets positifs de l'impassibilité deviennent de plus en plus évidents dans ta vie. Profite maintenant de l'énergie de la fleur de vie pour ménager en toi un nouvel espace dédié à la patience. Tu as peut-être fait les choses jusqu'à présent précipitamment. Et ça n'a pas porté les fruits que tu désirais. Eh bien, c'est juste parce que tu as été trop impatient pour obtenir, pour réaliser. Donc, il aurait fallu que tu sois un petit peu plus patient ou patiente, que ça soit dans le milieu de ton travail, que ça soit dans le milieu amoureux, familial, amical. Donc, il faut peut-être que tu travailles sur ton impatience. Faire les choses avec patience. Waouh, quel beau message, n'est-ce pas? Quelle belle guidance intemporelle pour ce jour. Encore une fois, n'est-ce pas, ça parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres. Soyez bien à l'aise, n'est-ce pas, pour prendre ce qui vibre en vous. Et je termine par le message de ton âme. Et j'ai pigé voyager, une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Peut-être que tu dois sortir un petit peu de ta zone de confort. Eh bien voilà, le message et la guidance pour ce 12 novembre est terminé. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain. Pour ma part, avec beaucoup de joie, cliquez sur le petit pouce, ça me ferait beaucoup de plaisir. Comme ça, l'algorithme de YouTube permet de mettre ma chaîne un peu plus en avant. Je vous en remercie avec toute ma gratitude. Allez, je vous souhaite une belle journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.